Lorsqu'on songe à lancer une entreprise virtuelle, évidemment, la nature même de l'approche virtuelle en affaires réduit le choix de secteur d'exploitation. Par contre, tout ce qui est transmissible par Internet peut s'y prêter. Comme par exemple, on peut choisir de devenir adjoint ou adjointe ou secrétaire virtuel, graphiste, programmeur informatique, rédacteur, spécialiste des médias sociaux, recherchiste. Il y a énormément de secteurs qui s'y prêtent, d'abord qu'il y a cette flexibilité de pouvoir faire le travail à distance. Si le travail et l'entreprise virtuelle vous intéressent, assurez-vous de choisir un secteur où vous avez des habiletés monnayables. C'est ce qu'on va toucher dans la prochaine section. Merci.